Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Alors là, moi, messieurs, on part en procès. Moi, ce soir, je vais noter vos plaintes. Vous prendrez les avocats que vous avez à prendre et ça partira en procès. On part en procès, c'est bon. Il vient de dire qu'il n'avait pas volé ma moto. 29. Madame la présidente, excusez-moi de vous déranger. Vous allez bien ? Vous avez besoin d'avocat ou pas ? Attendez, je téléphone avec le commandant, s'il vous plaît, excusez-moi. Ah oui, dites-lui de venir. Oui, dites-lui de venir, c'est très important, madame. On a besoin de parler au président. Et à vous. Ah, oui, au commandant et à la présidente. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous êtes... Commandant, il y a deux avocats qui aimeraient bien vous voir. Les deux avocats, finalement. Oui, deux avocats, monsieur Cooper. Sterling Cooper. Sterling Cooper, oui. Ils ont besoin de vous parler. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. Oui, il faut que vous soyez là aussi. Comme ça, vous remettrez un petit peu d'ordre dans le hall du PDP, parce que ça ne ressemble à rien. Pardon ? Pardon, excusez-moi ? Oui, il faut que vous soyez là, madame la présidente. Ça vous concerne, cet entretien. Vous et le commandant. Ah, parce que lui, il est en... Vous m'avez l'air un peu faible, monsieur... Oui, c'est vrai, ça, monsieur Cooper. Oui, c'est le diabète. C'est le diabète de type 2 qui m'attaque. Voilà, là, on vous entend mieux. Excusez-moi, je commençais à m'assoupir. Ah, le commandant, c'est pas ce qu'il faut. Attendez, je vais aller récupérer mon futur mari. Madame la présidente, ne fuyez pas comme tout à l'heure. On compte sur vous. Ah non, non, mais tout à l'heure j'avais un rendez-vous. D'accord, on vous attend avec le commandant. Bon, Sterling, il va falloir qu'on mette l'article piment d'Espelette sur la table. C'est lequel ça? C'est celui qui pique un peu. Waouh. La différence de température sur votre crâne doit être incroyable. Bon, oui. En gros, c'est là où on va attaquer pour le procureur. On va leur expliquer que le procureur n'a pas à être le capitaine de ce commissariat. Oui, d'accord. Voilà, t'as compris. Piment d'Espelette. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Bonsoir, monsieur. Ça va très bien, avocat au gros barreau. Vous êtes les avocats de monsieur Chico Galavera? Non, nous sommes les nous meilleurs sommes avocats de la Sterling Cooper, différent. Monsieur, avocat au gros barreau. D'accord, mais vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas son avocat? Non, on le représente pour l'instant, pas, monsieur, non. Il n'a pas payé, on n'est pas son avocat. Mais... C'est quoi votre ratio de réussite au niveau... C'est 100%, monsieur. C'est 100%, monsieur. 100%? D'accord. Encore le procès d'aujourd'hui, on l'a gagné, monsieur. Et ok, très bien. Que les cartes d'accès. Ouais, il veut partir en procès, le Galavera, là. Écoutez... Mais c'est ridicule. Notez le numéro 2872. Par contre, je vous préviens, la carte 2782, je viens de changer, monsieur. Je ne vous donne pas l'accès ici. Non, 27, je ne sais plus, attendez. 5733, c'est mon numéro, madame. Vous êtes insuline indépendant? Pardon. Pour votre diabète. Oui, il est en ce moment, je vois flou. Il est insulaire. Insulino dépendant. Votre numéro, redites-moi, 28 2872. 2872. Il est lunatique. Oui, j'ai vraiment du mal. Je suis désolé, mais je suis fatigué. Commandant, on doit vous parler de manière très importante avec la présidente. On doit vous parler de manière très inopinée. Avec la présidente, évidemment. Avec la présidente. Au revoir, messieurs, et à très bientôt. Et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin. Oui, avocat au gros bon. Non, messieurs, il ne faut pas nous suivre. Non, messieurs, c'est pas. Messieurs, c'est une conversation privée. C'est une conversation privée, messieurs. Ah, d'accord, excusez-nous. On doit sortir, Jay ? Oui, il faut pas. Bah, apparemment, je sais même pas de. Oui, apparemment, j'arrive, je me dépêche. Et elle se dépêche. Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur le commandant. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon. Est-ce que vous êtes concentré, monsieur le commandant? Vous êtes concentré sur ce qu'on va dire. Concentré, je vous écoute. On attend que vous soyez vraiment concentré, monsieur. Oui, on va attendre que. Voilà, là vous avez l'air très concentré. On est d'accord que vous gérez la LSPD de main de maître? Oui. Madame la présidente, on est d'accord que vous êtes la plus haute institution de cette dans ville. Dans cette ville, bien sûr. Oui. Voilà. Bien sûr. Nous avons un problème que nous allons nous permettre de relater, évidemment, parce que c'est un problème très, très, très important. Et monsieur le commandant, je vous demande de nous écouter et de nous répondre. Pourquoi le procureur a autant de droits dans cette ville et dans ce commissariat, chose qui n'est pas légale et normale? À quel sujet de quoi parle-t-on? À tous les sujets. Le procureur ne procure... Il procure. Est-ce que le procureur a autorité décisionnaire sur les agents de police de ce commissariat supérieur Rélière. Oui, mais ce n'est non, ce n'est pas normal, monsieur. Un est-ce procureur, que vous considérez un procureur comme un responsable hiérarchique, madame? Est-ce que vous savez ce que c'est un procureur? Bien sûr que oui, mais dans un qu'est-ce certain procureur sens. Qu'est-ce qu'un procureur, messieurs? Non, mais monsieur, je m'oblige de. Mais laissez-moi terminer. Laissez-le terminer. D'une certaine façon, monsieur le procureur est le supérieur hiérarchique
du capitaine, enfin du commandant. Eh bien non, à aucun moment, le procureur. Même n'est si pas sa juridiction rôle. N'est pas la même, mais d'une certaine façon, il n'y a pas de certaine façon. Il y a la loi et il y a le reste, madame. Il y a la loi, il y a la loi. Vous êtes d'accord, madame la présidente, que je suis d'accord. Il y a la loi et c'est tout. Donc monsieur le procureur a sermenté plusieurs agents de nous menacer avec des tasers parce qu'on avait une histoire à régler avec lui. Et monsieur le commandant ici présent est à la botte totale du procureur, ce qui n'est ni légal et ni normal. Voilà, autre point, un procureur est chargé de représenter l'État dans des affaires. C'est un avocat de l'État. Il n'a en aucun cas le droit de prendre des plaintes comme il le fait. Il n'a en aucun cas le droit de diriger le commandant ici présent. Il n'a pas droit de donner des ordres à des agents. Il n'a pas le droit de donner des ordres à des agents. Il n'a pas le droit d'avoir une radio. Il n'a pas... Attendez, Cooper, il n'a pas le droit non plus d'avoir la radio de la LSPD et de toutes les fréquences. C'est interdit, madame. C'est interdit et illégal. Donc comment fait-on, monsieur le commandant? Alors, on vous le dit, on vous le dit. Vous ne savez pas, mais maintenant, on vous le dit. Au commissariat, il est mon supérieur hiérarchique, donc ça veut dire que s'il doit faire passer un message... Non, il n'est pas votre supérieur. Attendez, oui, moi je parle de ce qu'il y a maintenant. Là, à l'état actuel de maintenant, il est notre supérieur hiérarchique. Sous ordre de qui, monsieur? À moi. Sous l'autorité de Sous l'autorité de qui? Laissez-le finir. Non, mais attendez, c'est très important. Mais j'évoque d'abord ce qu'il y a, et après... Vous jugez, s'il vous plaît. Oui. Là, il me donne des ordres, parfois par rapport au gouvernement ou à lui, d'accord ? Et moi, je transmets à mes collègues. Il n'a aucun droit sur mes collègues, il a juste un droit sur moi. Et il ne prend pas des plaintes, à ce que je sache, il n'a pas le droit. Et Vous trompez alors, aucun... hein, c'est problématique. C'est là où le point, le bas blesse, hein, si je peux me permettre. Là où le bas blesse, ça blesse. C'est que primero, je dirais même, pour utiliser le latin ancestral, primero, monsieur, il commande vos agents. Voilà, nous en sommes témoins, ça se passe tous les jours dans ce même commissariat, monsieur. Deuxième point, secondato, je dirais même qu'il fait preuve d'une arrogance extrêmement ennuyeuse concernant les décisions qui sont prises au sein de ce commissariat. Voilà. Et tricerato, tous nous en sommes évidemment témoins. Monsieur le commandant, vous en étiez témoin quand on vous a posé la question de pourquoi le procureur prenait les plaintes. Vous n'avez pas répondu, hein. Vous avez bizarrement eu peur de lui. Et ce n'est pas normal. Monsieur le commandant, vous êtes la hiérarchie la plus haute de ce bâtiment ici présent et personne n'a vous donné d'ordre, encore moins un procureur, monsieur. Ce qui se passe là, messieurs, dames, si vous me permettez l'expression, on vous permet. C'est un abus de pouvoir manifeste. Exactement. C'est du conflit d'intérêts et également une manœuvre totalement illégale, tout simplement, messieurs, dames. Hein. Illégale. C'est interdit. Les mots sont durs, mais les mots sont... Oui, les mots sont durs, mais les mots sont justes. Donc, il faut que vous ouvriez les yeux sur cette réalité. Très bien. Eh bien, écoutez, je vais demain, à la première heure, convoquer M. le procureur pour lui faire un rappel de ce qu'il doit faire et de ce qu'il ne doit pas faire. Mais quelque chose me dit que ça va mener à rien, parce que le commandant a l'air de... Je vais vous dire une bonne chose, messieurs. Vous pouvez avoir des a priori sur ma façon de faire, mais croyez-moi bien que demain, vous verrez un changement. Laissez-moi d'abord... Eh bien, on vous croit, madame. On vous laisse le bénéfice du doute, effectivement. On vous laisse le bénéfice. S'il vous plaît. Nous constaterons ça. Voilà, exactement. Par contre, je compte sur vous, si jamais il réitère, pour venir me le rapporter. Il ne s'est jamais arrêté. Cas, tout le monde le déteste. Est-ce que le procureur a le droit d'assister à un procès dont il n'est pas concerné et de s'asseoir dans le banc des jurys? Non, mais... C'était pour savoir. Je compte sur vous pour me faire une liste exhaustive, soit par SMS, soit par mail, des actions de monsieur le procureur, pour que demain, à la première heure, j'organise un entretien individuel avec sa personne, et pour qu'ensuite, il puisse mettre en application ce que je vais lui demander de ne plus faire. Oui, Cooper, moi, vous en verra, on m'a dit que c'était mon hiérarchie supérieur. Je suis ce qu'il me dit. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça, là, monsieur? Le procureur. Donc, le procureur, alors, un homme qui demain. Attendez, s'il vous plaît, Sterling, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Donc, si demain un homme rentre dans un commissariat, demande à voir le commandant et dit je suis votre supérieur, écoutez-moi, vous allez le croire. Le président, c'était un truc qui était de là de base. C'est le président, le gouvernement, quoi, c'est tout. Écoutez, monsieur, je suis chef d'une planète. Je suis le chef de la planète Vulcon et je suis le maître de la Terre. Donnez-moi tout votre argent ainsi que vos vêtements. Non, mais là vous dites une connerie. Là, ça n'a pas de sens ce que vous dites. L'ancien commandant n'était pas dirigé, n'était pas manipulé par le procureur comme si, vous voulez l'êtes, monsieur. Si. Ah bon, monsieur Soulax? Totalement. Monsieur Soulax avait le supérieur hiérarchique de monsieur le procureur et monsieur le procureur se faisait un plaisir aussi de convoquer Soulax pour lui mettre rappels. Mais vous savez que c'est totalement interdit. Je porte plainte contre le procureur. Je procède.
procès, Cooper. On va au procès contre les. Ça a toujours été comme ça. Non, messieurs, s'il vous plaît. Non, non, ça va trop loin cette histoire. Je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Non, il est choqué. J'en ai vu dans toutes les sauces, mais là, t'es. Bon, écoutez, un procureur n'a en aucun cas le droit de diriger cette ville, d'accord ? Et encore moins une LSPD. Monsieur le commandant, vous ne direz pas le contraire. Jusqu'ici, procureur, vous dirigez, vous venez de le dire vous-même devant la présidente. Madame la présidente, du haut de votre poste, vous n'avez pas le droit de mentir, donc on a bien entendu les mêmes choses. Oui, oui, j'ai entendu. Donc c'est bien un problème. Excusez-moi. C'est bien un problème. Je compte sur vous, madame la présidente, après avoir entendu tout cela, pour remettre cette ville en place. Parce que c'est pas comme ça que la LSPD aura moins de boulot, si je peux me permettre. Vous inquiétez pas, je vais prendre monsieur le procureur à part demain et je vais lui faire l'exposé de ce que vous venez de me remonter et nous verrons les changements. Mais rendez-vous compte, attendez, imaginez-vous, je veux que vous preniez connaissance de cette chose avant tout. Imaginez-vous que demain je vais dans une banque et que je décide d'usurper un titre qui n'est pas mien. Eh bien, si je suis mis à défaut de cette malhonnêteté, je serai arrêté et réprimandé. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est un acte judiciaire pénalisable, madame. Il était dit comme ça par l'ancien gouvernement. Mais dans ce cas-là, vous vous servez à quoi, monsieur le commandant, alors? Oui, Mais il ne fait rien dans l'SPD. C'est pas lui qui veut en radio et qui fait les trucs. C'est moi qui fais tout. Lui, il vient juste mettre son grain de sel à quelques trucs. Non, mais on en est témoin, monsieur, en fait. On était nous-mêmes pris en otage, d'ailleurs, dans une situation plutôt. Et on l'a vu avec un masque sur une prise d'otage. Et c'est lui qui parlait. C'est lui qui prenait les décisions. Oui, qui parlait au terroriste en direct au quand téléphone. Quand ça On est témoin de ça, monsieur. On était les otages. Alors, on a tout vu. À quelle prise d'otage, monsieur? Au FBI, justement. Au FBI. Monsieur le procureur n'a pas dit un mot sur la décision. Non, mais monsieur, Zéro et moi-même qui gérons. Non, mais monsieur. C'est faux, monsieur, parce que. On était là, en fait, quand il a parlé au terroriste. Oui, on l'a vu. Je sais que vous étiez là, puisque je vous ai pris en charge. Zéro et moi-même qui ont pris une décision de négociation. Là, monsieur le procureur, il était masqué. Il était là-bas, oui. Oui, pourquoi il était là-bas? Pourquoi il était là-bas? C'est un procureur, putain, faut comprendre ça. Mais non, mais ça commence à me saouler. Un procureur, il procure, monsieur. Vous êtes commandant, vous commandez. Oh, de salon, bureau. Non, mais calmez. Il fallait calmer. Excusez-moi, madame la présidente. C'est le procureur ou vous qui est instable? Je m'en porte parce que là, le commandant dit n'importe quoi. Un procureur n'a pas été spectateur d'une scène de prise d'otage. On est où? J'évoque des faits. Je dis pas qu'il a le droit. Mais les faits, c'est illégal, monsieur. C'est illégal et c'est un problème, les faits. Est-ce que je dis que ces faits sont légaux, oui ou non? Non, j'évoque ce qui s'est passé. C'est pas possible, c'est votre pote ou quoi, le procureur? Non mais c'est incroyable. C'est ton pote ou pas? Balance. Calmez-vous. Excusez-moi. Excusez-le. C'est son insulte. Continuez de l'être, s'il vous plaît. Non mais je veux bien entendre que vous vous emportiez. Mais c'est choquant, mais c'est choquant, madame. Mais j'entends, mais arrêtez de vous insurger de la sorte, enfin. Mais on s'insurge parce que c'est illégal, madame. Mais madame, mais vous vous rendez compte de ce que vous écoutez ou pas? Les absurdités qu'on entend nous choquent, nous connaissons la loi, madame. Il est sûrement au téléphone en train de parler avec monsieur le procureur pour lui dire ah ben ton sang. Par contre, ne commencez pas à faire de menace sur moi. Vous entendez mal, il n'y a eu aucune menace ici. Hein. Non, arrêtez de calomnier. Bon, bref, écoutez, j'ai bien entendu, je vais faire le nécessaire, on verra demain, d'accord? Attention. Bon, vous voulez pas juste redescendre un tout petit peu, messieurs? On en reparle demain, après une bonne nuit de sommeil. On en parlera, un petit café. On en reparlera demain. Ça ira pour vous? On en reparle. Ne me parlez pas comme un enfant, madame, par contre. Ah, mais je ne vous parle pas comme un enfant. J'ai eu le sentiment à un moment donné que j'avais 7 ans. Écoutez, monsieur. Non, Sterling. Non, c'est Sterling. Monsieur Sterling, mon but n'est pas de vous infantiliser, loin de là. J'essaie juste de vous calmer un peu, parce que je comprends. C'est vrai qu'on est. Alors, on a une tendance comme ça, parce qu'on aime la loi, madame, tout simplement. On aime la loi. Vous prenez votre métier à cœur et. Quand elle est bafouée, ça nous fait mal. J'aime voir des personnes passionnées par leur travail. Madame leur la présidente, cette ville a des problèmes. Ah, mais je suis la première en parler. Beaucoup trop de problèmes, madame la présidente. Je sais, mais nous sommes d'accord. Oui, mais le problème, c'est que Rome ne s'est pas fermé en un jour et les problèmes ne seront pas réglés en un jour. Donc, chaque chose en son temps. Alors, je vais donner un exemple, d'accord? C'est comme si, là, un enfant est éduqué par A. Ok, et là il y a quelqu'un qui vient dans sa vie. Il y a quelqu'un qui vient dans sa vie, il lui dit non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est par B qu'on fait. Ok, oui. Il va être confus, d'accord. Il va défendre son truc en mode. Votre argument est confus. On m'a pas appris, on m'a appris sur monsieur, A. D'accord. Là c'est pareil, on m'a appris par A. Ok, l'ancien gouvernement m'a appris par A. Ok, là le procureur pour moi était hiérarchiquement parlant. Là vous m'apprenez un truc B, donc c'est normal que je vous évoque les faits. Mais d'accord, je ne défends pas. Est-ce que vous comprenez que le B est la seule solution? Abandonné à A. Oui. Non. J'ai compris. Et justement, je ne disais pas, je ne défendais pas, je n'attaquais pas votre système. Je ne suis pas au courant de ce que vous dites, d'accord? C'est pour ça que vous allez avoir une conversation avec le président.
mais je ne défends pas le procureur, loin de là. N'oubliez pas une chose, vous êtes le commandant, ça porte bien son nom, d'accord ? Donc c'est vous le patron de cette LSPD, ne laissez en aucun cas un procureur prendre des plaintes comme il le fait jusqu'ici, ne laissez en aucun cas un procureur manipuler vos agents, et encore moins accéder à votre radio, ce n'est pas normal. Monsieur, n'oubliez jamais, ce n'est pas votre supérieur hiérarchique. Oui, exactement, monsieur. Je n'oublierai pas, merci. Je pense qu'il est amoureux de lui. Vous pouvez me suivre pour la plainte, s'il vous plaît ? Mais c'est vous-même qui allez prendre la plainte ? Oui, c'est moi-même. Mais vous êtes impliqué dans l'histoire, je peux pas... Non. En tant qu'avocat, je vous conseillerais, madame, de prendre un auxiliaire de justice qui est totalement neutre à l'affaire. Voilà, c'est tout, je le dis, je m'en vais maintenant. Bah, revenez alors. Ah bah, nous sommes là. Venez, madame la présidente. Allons-y. Allons aider madame la présidente. Voilà, madame la présidente, nous sommes là pour vous. Madame, on a besoin d'un contrat verbal. Est-ce que vous nous engagez officiellement en tant qu'avocat, madame ? Bah, oui, pour cette affaire, oui. Très bien, voilà, c'est fait, c'est acté. À partir de maintenant, nous sommes vos avocats, madame la présidente. Parfait, bon, bah alors on va s'asseoir et je vais déposer. Il n'y a pas de place pour tout le monde, mais allez-y, madame la présidente. La dame s'assoit et le monsieur. Je pense que votre plainte est similaire à ce que votre garde du corps m'a expliqué. Pardon, madame la présidente, j'ai confus. Vous connaissez les lois, mais vous ne me connaissez pas beaucoup, apparemment. Faites attention, vous asseyez. Votre garde du corps est venue m'expliquer que vous ainsi que votre mari, vous êtes. Aller demander un prêt à la banque. C'est pas juste. Non, pas après, mais oui. Voilà, excusez-moi, c'est une transaction. On avait rendez-vous avec le banquier. Monsieur l'avocat, je vais vous demander de juste éviter de vous asseoir sur mon épaule. J'essaye, croyez-moi. Sterling, ça suffira. Ouais, mais j'essaye, monsieur. A priori, il y a des choses qui peuvent se faire, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Monsieur l'agent, j'ai l'impression que vous avez un peu la tête dans le cul, si je vais me permettre. Effectivement, là je confirme. Monsieur, vous goûtez à la loi là. Ouais, voilà, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais rester. Oui, voilà, arrête. Pendant que vous étiez à la banque, monsieur Chico est arrivé et a commencé à dire à votre mari qu'il lui aurait volé sa moto, apparemment. C'est ça. Si vous voulez, ce soir avait lieu une chasse au trésor et mon futur mari a participé avec. Des amis à lui, ainsi que Monsieur Galavera de son côté. Et à un moment donné, semblerait que la moto de Monsieur Galavera ait été dérobée par des participants. Et lorsqu'il a recroisé Monsieur Lovecraft ici présent à ma gauche à la banque, il lui a proféré des menaces à son encontre, en lui disant « Si jamais tu recommences à revoler ma moto, il va t'arriver des bricoles ou je sais pas quoi. » Monsieur le futur mari, est-ce que vous reconnaissez... Attendez, monsieur l'avocat. Non, c'est pas attendez, en fait, je parle à mes clients. Est-ce que vous contestez ou affirmez le vol de cette moto, monsieur ? Je confirme que monsieur Galavera n'était plus en présence de sa moto, mais en outre cas, je ne suis en rien responsable de cette affaire. D'accord, donc vous n'avez jamais emprunté la moto du monsieur ? Absolument pas, je n'ai jamais posé ne serait-ce qu'un poil de D'accord, mon corps sur cette moto. Non, mais très bien. Donc si on a accès aux caméras de sécurité, on ne vous verra pas emprunter cette moto, monsieur. Affirmatif. Vous êtes certain ? Ah, 500%, D'accord, monsieur l'avocat. D'accord, c'est bon. C'est normal que je pose la question. C'est très normal, c'est parce que c'est un élément clé de cette affaire, monsieur. Cette affaire va être gagnée, vous allez empocher de l'argent, messieurs les avocats. Je vous conseille vraiment de les mettre au fond du trou, ces sacs à merde. Calmez-vous, monsieur. Ça... Ouais, excusez-moi, vous je êtes comme le mari de la présidente. Voilà. Calmez-vous, monsieur. Ça sert à rien de vous énerver. Si vous savez que vous avez gagné, partez positivement. Vous avez du cambouille. Donc, nous étions dans l'enceinte de la banque quand Monsieur Galavera, accompagné de Monsieur Davis, Noam Davis, ont menacé Monsieur Lovecraft. Je me suis avancée simplement pour prendre l'identité de Monsieur Davis que je ne connaissais pas. Et ça allait en rester là. On est sorti de la banque, accompagné de Monsieur Jackson, ici présent derrière moi, ainsi que d'autres agents de sécurité du gouvernement. On en parlera, c'est parce que c'est pas le tarif. Et puis, donc nous sommes montés dans la voiture. Ça, c'était pour la blague du cambouis, ça. Parce que Monsieur Galavera s'était targué d'avoir... soit mis en fourrière, soit d'avoir mis plus loin un véhicule pensant être celui de Monsieur Lovecraft dans l'objectif de s'être vengé de la disparition de sa moto. Sauf que il s'est trompé de véhicule et nous sommes montés dans le véhicule de Monsieur Lovecraft et nous étions à deux doigts de partir quand Monsieur Galavera a commencé à donner des coups de pied sur le bas de caisse droit, avant droit de la voiture, est monté sur le capot et a commencé à donner des coups de pied dans le pare-brise alors que nous étions à l'intérieur. Madame la présidente, je me permets de faire une précision et Cooper l'affirmera.
Était-ce un véhicule de fonction, madame? Ah, c'était un véhicule personnel. Personnel. Non, d'accord, non, c'est d'autant plus grave, madame. Mes agents de sécurité, au début, alors qu'il était déjà agressif verbalement, ont essayé de l'éloigner de la vitre derrière laquelle j'étais moi, côté passager. Puis ensuite, il est monté et a commencé à donner des coups de pied un peu partout sur le véhicule pour tenter de briser le pare-brise alors que nous étions à l'intérieur. Ça, regardez ma main, rien que d'y penser, j'en tremble encore tellement que j'ai été choqué de cet événement. Je suis traumatisé, je veux vraiment que justice soit faite. Après plusieurs sommations, mes agents ont été dans l'obligation de taser monsieur Galavera. Donc voilà, vous connaissez toute l'histoire. Donc maintenant vous avez ma plainte, mais je vais laisser mes avocats prendre le relais. Lorsque vous aurez les images et les diffusions de ces caméras, de m'en tenir informé. On vous tiendra informé de tout, de toute façon. Voilà, c'est pour le bien de ma cliente. Ah oui, bien sûr, non, vous faites votre métier. En tout cas, je suis désolé de la part de mes trois agents qui ont fait une grave erreur de l'avoir laissé repartir. Va falloir vraiment qu'ils retiennent la leçon, parce que c'est pas possible, hein, ce genre de coup. Ah oui, ça je peux vous assurer qu'à mon avis, vu la sanction qu'ils vont se prendre, ils vont bien retenir la leçon, hein. Vous en faites pas. Oui, surtout qu'on pourrait rajouter une plainte si ça s'avère être une dénonciation calomnieuse. On pourrait rajouter une plainte pour une dénonciation calomnieuse. Oui, pour la moto, c'est ça? Très bien. Du coup, j'ai noté votre plainte, les témoins qui sont là, j'ai le numéro de monsieur Jackson. Où est-ce qu'il est, mon mari? Il est encore aux toilettes? Bon, écoutez, grosse commission, je vous avais prévenu. Ça se voyait aux faciès, madame. On connaît la loi, mais on connaît aussi les faciès des gens qui ont envie de faire une grosse commission. En tout cas, merci de votre témoignage et de votre patience. Je vais retourner à l'intérieur pour pouvoir écrire votre plainte. Du coup, on vous recontactera sûrement demain pour la suite des choses. Impeccable. Et madame la présidente, nous serons là jeudi soir, si jamais vous voulez nous contacter à partir de 22h. Et on pourra reprendre cette affaire demain de maître. Demain de maître, madame. Demain de maître. Croyez-moi, on connaît la loi. Nous connaissons la loi, madame. Oui, vos honoraires sont à hauteur de, que je sache. Nos honoraires, madame, sont à hauteur de 100 000 dollars. D'accord, donc c'est un prix... C'est un beau prix. Madame, il n'y a pas d'arnaque. Nous sommes littéralement les meilleurs avocats de cette ville. Non, mais là n'est pas la question. Voilà, non, ne croyez pas qu'on essaye de souscrire de l'argent parce que c'est vous. Nous avons le même tarif avec tous nos clients. Bon, bah écoutez, j'espère que l'agent vous fournira le dossier à temps. Auquel cas, je le relancerai pour lui demander s'il a bien fait les choses. N'hésitez pas, parce que ce commissariat est un petit peu bancal. Oui. oui, on est là pour rappeler la loi, madame. Pas de mal. Et je m'occupe demain de monsieur le procureur. Et nous vous faisons confiance complètement. Pour que ça bouge un peu. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup, mesdames. J'ai bien reçu. Mesdames et messieurs. Et à vous aussi, et puis à une prochaine. Reposez-vous bien, et à bientôt. À bientôt, monsieur. Merci.